chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une première au monde. Bien sûr, ce sont des chenilles séchées. On les trouve dans les marchés, on pourrait dire. Et voilà les chenilles qu'on trouve au marché. Ce sont les miquati ou ngala. On pourrait dire c'est les Sirina forda. Mais qu'est-ce qui est nouveau avec notre chenille Nsanigata que vous voyez en ce moment? Les chenilles en général dans notre environnement, ce sont les chenilles qu'on ramasse dans la forêt. Ce sont des chenilles sauvages. Mais cette chenille ici présente provient spécialement de l'élevage. Et c'est ça qui est nouveau. Mais pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui élever les chenilles? En Afrique, les chenilles sont un important élément dans les repas africains. Et les chenilles sont très aimées, très appréciées et ont une grande valeur dans la tradition. Ici, par exemple, c'est la chenille de Lobo-Bounéa qui est en train de manger dans notre laboratoire à Kilweka. Voilà, le papillon de Lobo-Bounéa Fedusa est vraiment splendide et on le trouve au piège à lumière. Mais dans notre laboratoire, comme on le voit, c'est rare de voir ces papillons en jour. Ici à Kilweka, Madame Lukoki a attrapé un papillon de Lobo-Bounéa qu'il a amené au laboratoire et ce papillon a pondu des œufs comme on le voit et les petites larves ont éclos. Et nous élevons dans notre laboratoire les chenilles de Pseudo-Bounéa palens et ici Jolie est en train de récolter les chenilles de notre premier élevage de Pseudo-Bounéa palens pour préparer pour la première fois au monde un repas de ces chenilles élevées, non pas récoltées dans la nature mais élevées dans les laboratoires à Kilweka. Les chenilles sont très vertes et leur poids est environ de 20 grammes. Et c'est les plus grandes chenilles qu'on peut trouver. Voilà, à la balance, c'est 22 et c'est autour de 20 grammes. Les chenilles fraîches sont rares à trouver dans les marchés. Généralement, elles sont immédiatement consommées dans les familles après une récolte. Et les chenilles, les gens ont vraiment faim. Dès qu'on les trouve, ils les mangent immédiatement. Et souvent, les chenilles sont difficiles à conserver. Quand les jeunes gens étaient à la forêt là-bas, et ils sont allés récolter les chenilles de Nsangula. Et ils sont venus de l'Imfu et chacun a son bol où il a ses Nsangula, mais qui ne sont pas complètement à maturité. Mais comme il y a la faim, on est pressé, on n'attend pas. Si tu attends trop, tu viendras, on a déjà récolté. Alors, ça, on dit dans cette forêt, c'est la deuxième récolte
Ici, nous sommes à Kilweka. Voilà un groupe d'enfants qui revient de la forêt pour récolter les Minsangula. En fait, dans notre tradition au Bas-Congo, les Minsangula sont un élément très important de notre alimentation. Et les chenilles ont une très grande valeur même dans la population. Un repas de chenilles, si on vous les refuse, quelqu'un est très, très mécontent. Et je pense que les chenilles font partie de notre vie et apportent beaucoup de protéines. Les Nsangula et les autres espèces de chenilles sont devenues rares. Mais la raison, c'est la destruction des habitats, particulièrement des forêts. Mais on pourrait peut-être les élever. Mais où sont les papillons? Ah, les papillons, mais ils sont là. À 2h du matin jusqu'à 5h, les papillons viennent aux discothèques du piège à lumière pour se réjouir, mais pour nous aussi, c'est énormément important pour faire le monitoring. Le piège à lumière nous permet de dénombrer les espèces des chenilles qui sont dans notre milieu à différentes périodes de l'année. Et ça nous aide aussi de voir combien de fois une chenille revient au piège à lumière au courant de l'année. Dans nos villages, les villageois ne savent rien sur les papillons de leur chenille aimée. Parce que la plupart des chenilles mangées dans les villages, leurs papillons sont des papillons de nuit. On ne peut pas les voir le jour. Et nous avons montré aux villageois de Kilweka les papillons de nuit de leurs nombreuses chenilles aimées. Dans notre premier livre du projet Binzo, nous avons inventorié les différentes espèces de chenilles locales au Bas-Congo. Et nous avons cherché à identifier leurs papillons. Ici, en haut, c'est les papillons de Lobo-Bounéa Fedouza. C'est la chenille verte qu'on aime bien au Bas-Congo. Et nous pourrions voir un peu ici. Ça, c'est Pseudo-Bounéa Alinda. C'est la chenille avec laquelle nous sommes en pleine expérience d'élevage en ce moment. Là, c'est le papillon de Bounéa Alcinoe, une chenille aussi avec laquelle on travaille dans notre laboratoire. Et ici, le papillon de Nudoria Dione, qui est aussi une chenille très intéressante. Et nous avons aussi autres comme Imbrasia Epimentea. C'est la fameuse chenille Mvinju qui est très populaire, et nous pourrions voir là Acletes gigas qui est un papillon splendide. Voilà autant de chenilles de chez nous et leurs papillons que nous avons essayé d'identifier. La grande question est de savoir identifier les espèces qui ont un potentiel pour la domestication.
Et pour y arriver, nous devons étudier les cycles de vie des insectes, leurs plantes nourriture en termes de disponibilité, le comportement des insectes elles-mêmes et la facilité pour la domestication. La domestication, c'est pour nous, c'est prendre une espèce sauvage et essayer de l'adapter aux conditions d'un élevage. Dans notre laboratoire, nous conservons soigneusement les chrysalides dans des boxes de styropor, comme vous voyez. Et en dessous des chrysalides, nous mettons un bassin d'eau. Comme les boxes de styropor ferment bien, dans cette enceinte, il fait une température de 25 à 26 degrés et une forte humidité. Et dans ces bacs, les papillons émergent des chrysalides et nous les amenons dans les cages au dehors pour les accouplements. Comme ça, nous réussissons à avoir des œufs et les œufs peuvent éclore dans leur délai que nous installons ensuite sur les plantes hautes dans les laboratoires ou dans les jardins protégés. Les œufs des papillons sont soigneusement récoltés et amenés au laboratoire pour être désinfectés. Comme ça, ça constitue la prochaine génération de nos chenilles. Dans la plupart des chenilles que nous élevons dans les laboratoires, nous faisons des préparats parce que la plupart des chenilles ne sont pas bien identifiées scientifiquement et ces préparats, nous les envoyons aux spécialistes pour identifier les différentes espèces. Parce que les noms locaux, ça ne suffit pas pour avoir une identification des espèces de papillons. Ici, nous sommes dans un micro-jardin protégé où nous plantons les acacia mandum. Et ces plantes sont régulièrement taillées pour qu'elles donnent beaucoup plus de branches et de feuilles. Comme ça, nous pouvons suivre très bien nos chenilles. Et ça, c'est le second jardin protégé où nous sommes en train d'expérimenter l'élevage de plusieurs espèces de chenilles. Mais nous surveillons aussi les prédateurs et nous étudions l'influence du microclimat sur la santé des chenilles. Vous voyez bien, il y a plusieurs plantes mélangées dans ces jardins protégés parce qu'on peut avoir plusieurs espèces et chaque espèce a sa plante nourriture et nous devons avoir un milieu propice pour faire les essais. Là, c'est les chenilles des Pseudobunea alinda qui sont à la quatrième génération d'expérimentation dans notre projet. C'est une chenille qui semble être prometteuse parce que son cycle est moins de 2 mois. Et c'est des chenilles tout à fait intéressantes. Elles ont toujours une position particulière s'il fait très chaud. Ils renvoient leur tête en arrière, peut-être pour avoir un peu de fraîcheur. Et
et nous avons pensé nous inspirer d'un système d'élevage d'un insecte qui pourrait nous guider dans nos recherches sur les chenilles locales. Et nous avons trouvé à Bangkok Samia Rishini, qui est élevé dans ce laboratoire depuis plus de 50 ans. Et Samia Rishini, c'est un important ver à soie qui a été domestiqué en Inde depuis plus de 1000 ans. Ici, nous sommes à Bangkok, dans les laboratoires du professeur Ouravan. Et cette chenille mange plusieurs plantes, notamment les ricins qui a donné le nom à la chenille, mais aussi les maniocs et différentes espèces de maniocs. Mais il mange aussi d'autres plantes, donc c'est une chenille polyphage. Cette chenille dans ce laboratoire est là depuis 50 ans, mais il a été domestiqué en Inde depuis plus de 1000 ans. Et cette chenille n'existe plus à l'état sauvage, il ne peut survivre qu'à l'état élevage. Les chrysalides de Samia Rishini sont mangés en Thaïlande, mais les chenilles n'ont jamais été mangées. Le professeur Ouravan explique aux étudiants comment l'élevage de cette chenille est fait et comment on fait la filature de la soie de Samia Rishini. Et nous voyons comment on garde les chrysalides pour qu'il y ait des émergences des papillons, parce qu'on est au stade où les papillons doivent émerger pour s'accoupler et pondre des œufs. Dans ces armoires, ils sont indiqués pour les accouplements et pour les pontes. Et ici, on a déjà des papillons qui sont regroupés pour qu'ils s'accouplent. Voilà l'armoire pour la ponte. Les papillons sont accouplés par paire, mâle et femelle, et la femelle pond les œufs. Ici, c'est les œufs de Samia Rishini qui sont récoltés et qui vont éclore très bientôt, peut-être dans moins de 10 semaines. Voilà, le professeur Ouravan remet à Daniel les œufs. Heureusement, nous avons trouvé que cet insecte est facile à élever en Afrique de la même manière qu'il est très facile en Asie. Aujourd'hui, au Congo central, avec Samia Rishini, nous sommes à la 25e génération. Et nous avons construit les modèles d'élevage pour les villages. Nous avons environ 2000 chenilles qui sont maintenant vers la fin des derniers stades. Ce sont des L5 bientôt. Et ces chenilles, beaucoup, sont déjà dans le processus de former les chrysalides. Ils construisent leurs chambres où ils vont faire des chrysalides. C'est des chambres de soie, c'est des cocons dans lesquels ils vont former. Voilà ici, la chenille a déjà formé sa chambre de fil de soie dans lesquels elle se transforme en chrysalide.
Alors, ici, nous pourrions maintenant, je vous invite à aller visiter notre laboratoire. Notre laboratoire d'élevage des chenilles. Et notre hut Samia est construit en matériaux locaux. Il y a un peu de paille, un peu de stick avec des rameaux de palmier. C'est un moyen très simple à la portée de la population. Parce que nous voulons que cette chenille soit élevée dans les villages. Peut-être ballonné, qu'on a son là, lui dit, que vous dites ferme, hein? Qu'on a ferme, de vous massa. Si le monde a tout ça, la kuna ma installation, mena kuna pour vous dire plantation, ziman, ça qui dit kaoussou, que dit quoi, donc il y a comme les fonds là. Bandon pi bazingila na kuna ferme. Yinzo, ibia kulu, ima installation, yin sampa, mi ko santi la nguka. Kuna ka ki lue ka ka. À Kimpemba, nous avons visité les élevages des familles. Nous sommes allés dans plusieurs familles, plusieurs maisons. On a observé que tout le monde élevait ses chenilles dans les cartons et il les nourrissait exclusivement des ricins. Et nous avons insisté qu'ils peuvent utiliser toutes les feuilles de manioc, même les feuilles qu'on ne mange pas, que les gens disent ça ce n'est pas bon pour nous, ça c'est bon pour Samia. Voilà, plusieurs familles sont dans cette activité et il y a beaucoup des innovations, des improvisations pour voir comment ils peuvent élever facilement cette chenille dans leur famille et dans leur maison. Mais en général, c'est les cartons qui sont les plus utilisés. Nous sommes très heureux de l'explosion de l'élevage de Samia Rishini à Kimpemba et dans les villages voisins, mais nous sommes horrifiés pour les conditions d'élevage. Les chenilles sont mélangées aux excréments dans des petits cartons et c'est un peu de la des manques de l'hygiène. Mais pour nous, en tant que projet, nous voyons plus haut et nous avons planifié et construit la première ferme modèle de production de la chenille Samia Rishini. Ici, nous sommes à la ferme de Mvumbi Massa, une ferme créée uniquement pour la production de la chenille Samia Rishini. Et on a même prévu une maison pour les éleveurs, pour qu'ils habitent sur place, pour suivre et nourrir les chenilles sans repos, nuit et jour, parce que ces chenilles mangent sans repos. Voilà, nous sommes ici dans les huttes des chenilles avec des grands lits qui mesurent plus de 5 mètres sur 1,80 m. Et sur ces lits, comme vous voyez, on peut y élever jusqu'à 6000 chenilles par lit. Et voilà, les chenilles sont déjà à maturité. On est en train de récolter. Et vous voyez, il y a un mélange de toutes les couleurs et c'est la beauté de cette chenille.
dans cette ferme, la capacité de production est de 80 000 chenilles par génération. Donc avec l'installation en place, nous pouvons produire une demi-tonne de chenilles tous les deux mois. Et nous avons aussi organisé la ferme pour que la nourriture soit en abondance, pour que les chenilles soient très volumineux et un très bon poids. Avec cette expérience, cette ferme de Kintsumbu, nous sommes arrivés au but de notre projet, c'est de trouver, de domestiquer et élever des chenilles pour la population. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes très heureux que cette ferme nous a permis maintenant d'expérimenter la préparation des produits des chenilles. On a testé différentes méthodes pour faire des produits des chenilles. Il y a des chenilles salées et séchées, les chenilles au vinaigre, plusieurs essais ont été faits et les résultats sont très concluants. Comme vous voyez, maintenant nous avons les chenilles pour les marchés. Et les méthodes de conservation ont été testées et tout est au point. Et nous avons même trouvé les meilleurs emballages pour les produits des Samia. Merci bien pour votre attention, pour votre intérêt pour cette émission. Et nous, notre produit Mbinzo, vous pourriez déjà le trouver dans les bureaux du quartier général de l'armée d'Isali à Kinshasa. Merci pour le financement des donateurs de l'armée d'Isali pour ce projet. Et je suis très heureux qu'en ce moment nous sommes avec le chef du territoire de l'armée d'Isali de la RD Congo, le colonel Daniel Mukoko, à qui revient l'honneur de dire les mots de la fin pour cette émission. Et la préoccupation sera le pourquoi de ce projet. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole et de donner, n'est-ce pas, notre préoccupation vis-à-vis de ce projet. Ce projet, en réalité, répond à la préoccupation de William Booth qui disait « Tant que les enfants auront faim, je me battrai ». Et à ce point de vue, ce projet reflète les buts et les objectifs de l'armée du salut. Consiste, 1, à lutter contre la pauvreté et la malnutrition, 2, augmenter la sécurité alimentaire, 3, projet adapté aux conditions des populations rurales, 4, c'est un projet qui émerge de la culture africaine, 5, ce projet a un impact social et environnemental, spécialement avec la protection des forêts qui sont vitales pour les populations. En dernier ressort, ce projet montre un chemin pour vivre en paix avec la création divine. Merci et soyez vraiment intéressés à prendre ce produit qui va aider à une bonne nutrition dans nos communautés.